Et là, bonjour à tous, on est à la nuit du hack. Vous voyez, il y a plein de monde là en train de coder un petit peu partout. Je me trouve avec Aurélien qui va nous présenter sa petite console rétro gaming basée sur un Arduino. C'est sympa, c'est joli, ça brille dans tous les sens. Moi personnellement, j'adore. Je te laisse présenter ton petit produit que je trouve super sympa. Merci, et bien c'est la Gameguino, donc c'est une petite console de jeu portable qui permet de jouer à Tetris, à Snake, à Pac-Man, à tous les classiques, mais qui permet surtout à n'importe qui d'apprendre à coder et de faire son premier jeu en moins d'une heure. Et pour ça, pas besoin de prérequis, pas besoin d'avoir déjà codé, pas besoin d'être fort en maths. J'ai pas besoin d'être un gros développeur pour venir faire mon petit jeu vidéo rétro gaming dans ma petite console que j'ai presque assemblé moi-même, puisqu'on peut personnaliser un petit peu les bouts avec différentes finitions. C'est ça, on peut la personnaliser, on peut mettre un petit plaquage en bois véritable pour lui donner un petit côté doux et chaud, on peut la customiser. Et justement, donc là, il y a des gens qui sont en train de créer leur premier jeu, découvrir la programmation. D'accord, donc ils sont arrivés tout à l'heure, ils se sont dit tiens, je vais faire un jeu. Ils sont venus, ils sont posés avec leur PC, on leur prête les consoles et ils font leur jeu. Exactement, alors qu'ils n'ont jamais codé avant. Donc là, on apprend vraiment de la base. Au début, on fait des jeux très simples et puis après, on va faire des jeux de plus en plus complexes pour découvrir les bases de la programmation. Okay. Où est-ce que je peux trouver ça? C'est disponible sur Gameguino.com. Okay. Donc il faut juste commander en ligne. C'est une console qui est toute fabriquée en France. Okay. Et on peut payer par PayPal, par carte bancaire, par Bitcoin évidemment. On peut payer par Bitcoin, sachez-le, pour nos amis qui ne payent qu'en crypto, et j'en connais pas mal dans le Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir une start-up française, une console made in France qui vous permet d'apprendre à coder. Donc là on a le modèle bois et puis là on a le modèle un petit peu blanc, voilà, avec plein de petites lumières. C'est super sympa pour vos mômes et peut-être des futurs génies du code pour apprendre un petit peu le code de manière ludique. Ouais. Et puis peut-être plus tard pour devenir des sacrés développeurs, pourquoi pas dans la blockchain ou dans la sécurité informatique, puisque c'est ce qui nous concerne dans le milieu hack ce soir. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.